Oh, il manque quoi là-dedans? Il manque quoi? Ah, ça. Mais c'est quoi ça? Attends. Projet YTCQ. Attends, je vais allumer l'ordinateur. Voilà. Alors, YTCQ. Il y a un CD. Ok. Qu'est-ce qu'il enferme? Et chers les amis, aujourd'hui, je vais vous annoncer un truc. Je suis un jeune youtubeur. Même si je suis plus une personne qui regarde des vidéos, cette vidéo est pour ceux qui veulent connaître la vérité sur le youtubeur et ce qu'il gagne par mois. Mais tout d'abord, c'est quoi YouTube ? YouTube est un réseau social où des personnes partagent leur passion en vidéo au plus grand nombre. Ils nous partagent des vidéos dans tous les genres, du gaming au sketch, en passant par le foot. Bref, de tout. Les YouTubeurs peuvent monétiser leurs vidéos pour gagner de l'argent. Donc, sur YouTube, les YouTubeurs ne gagnent pas de l'argent par mois, mais par vidéo. Pour activer la monétisation, il faut un minimum de 4000 heures de visionnage. Et tout ça en 12 mois. Et plus de 1000 abonnés à votre chaîne YouTube, à ne pas confondre avec votre compte YouTube. La monétisation, comment ça marche? Beaucoup de personnes croient que sur YouTube, 1000 vues est égal à 1 euro. Mais c'est vrai sans être vrai. En vrai, c'est plutôt 1000 vues par pub sur votre vidéo qui est égal à 1 dollar, soit 88 centimes d'euros. Attention, ces chiffres peuvent dépendre de certaines chaînes. Par exemple, une chaîne de musculation, il aura plus de revenus sur une pub de musculation qu'une pub de bouffe. Mais un youtubeur ne gagne pas 100% des revenus. En effet, en France, il y a des taxes. Et en plus de ça, le youtubeur ne gagne pas les revenus de YouTube, mais c'est son entreprise. Donc, plus de taxes. Il faut déduire de l'entreprise 25% des revenus, ou environ 50% selon le statut que l'on a par rapport à l'État. En vrai, c'est selon ce que l'on gagne. On gagne plus, on paye plus. Puis, on a notre salaire. Mais il faut garder de l'argent sur notre entreprise. Car le jour où on ne fait plus de vidéos pendant un mois, l'argent mis de côté, ça peut être très utile. Mais revenons sur YouTube. Si on prend l'exemple qu'une pub a généré 1 euro sur plusieurs vues, YouTube va prendre 49% de la pub et le créateur 51%, sauf s'il a un network qui lui va prendre ses 51% pour lui reverser des services, par exemple une protection ou des conseils, et lui rendre 100% à 70% revenu de ses 50% qu'il a pris. Bien évidemment. Donc, qui fait pour un youtubeur solo, donc sans network, 49 centimes pour YouTube, 51 pour le créateur, qui n'a pas de network, mais pas de service, et ni de protection. Et pour un youtubeur avec network, du coup, 49 centimes pour YouTube, entre 0 à 15 centimes pour le network, et le reste, pour le créateur. Maintenant, vous savez tout sur YouTube. Je n'ai plus rien à vous dire. Mais si vous voulez faire un petit test, le lien est dans la description. Pour voir si vous avez compris, et c'est un vrai ou faux. Allez, chers amis, moi je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, et surtout, de vous abonner. A plus tout le monde. N'oubliez pas, le build c'est bien. Et à la prochaine!